partie gastronomie. Nous sommes à la ferme Auberge. Je suis en compagnie de Laurence Dallaine. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons cueillir. Dites-nous qu'est-ce que. Oh, bah, traditionnellement, la bourrache, parce qu'en ce moment, avec le printemps qui arrive, c'est vrai qu'elle éclot bien. Là, elle est bien dans son petit coin contre donc, les pierres. Elle va figurer au menu, forcément. Oui, forcément. C'est-à-dire que la bourrache, c'est vraiment une plante du Languedoc. Et puis, ce bleu est tellement beau que. On craque. Bon, marié avec l'orange, qui c'est la couleur dominante de l'auberge, oui, on craque. Là, elle est très facile à cueillir parce que, en fait, c'est des. Vous voyez comme c'est des belles étoiles et elle pousse très très bien. Bon, elle pousse, nous, dans notre jardin. Regardez si elle est belle. Là, ça fait un petit bouquet. Donc, c'est vraiment du jardin à l'assiette. Hein. Oui, oui. Alors, on est obligé de les cueillir tous les matins parce que sinon, elle fane. Et surtout, si vous la goûtez, elle a un petit goût d'huître. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté une. Si, j'en ai déjà goûté, mais je veux bien regoûter une. Voilà. Donc, voilà. Il y a la bourrache qui est comme ça, bleue, avec un bleu assez roi. Et puis, il y a sa cousine, qui est la fausse bourrache, qui est plus violette, mais qui n'a pas le petit cœur noir. Alors, donc, du coup, ces jolies fleurs vont figurer au menu. Qu'est-ce qu'on aura toujours, au menu? Toujours, c'est-à-dire qu'en fait, au menu, nous allons avoir des œufs. Alors, on ne va pas faire sauce meurette, on va faire sauce langue de sienne, hein, sauce Valmagne. Et on va les faire au vin blanc, parce qu'on a trouvé ça un peu rigolo, avec une salade de pissenlit et des... Voilà, aux petits lardons et des petits lardons, voilà, de la ferme de la Boissière. On continue la cueillette, on poursuit. Alors, nous arrivons près des violettes que nous allons cueillir, Laurence. Voilà, oui, on va au jardin médiéval. Donc ici, il faut aimer se promener. Au milieu des vignes. Oui, on va trouver des violettes, donc au jardin médiéval, qui est notre réserve d'herbes aromatiques. Regardez les violettes, si elles sont belles. Donc elles sont jolies, là, non? Elles sont très jolies. Hein, et on les fait au sucre et on les fait en sorbet aussi. Ah oui, comme les coquelicots, on fait un sirop de violette ou de coquelicot. On le monte en gelée ou on le laisse en sirop. Et c'est vrai que non seulement il y a la couleur, mais il y a la saveur. Et regardez comme cette année, elles sont magnifiques, magnifiques. Elles se reproduisent très bien. Donc on va... C'est à partir de quelques pieds qu'on a trouvé dans le parc qu'on les reproduit. Et on va continuer parce que d'abord, elles sont très couvrantes. Elles évitent les mauvaises herbes de pousser, donc je les mets maintenant dans les plates-bandes. Selon la quantité de violettes produites, on change de recette. Si par exemple il y en a très peu, on va juste les mettre en décoration pétale. S'il y en a beaucoup, ça nous permet de faire des sorbets, de faire des sirops, sans que la plate-bande, au contraire, en soit démunie, parce qu'on essaie de cueillir, vous voyez, pour que s'il y a des visites, ensuite le touriste puisse voir aussi des fleurs et puisse. Donc on essaie de bouger. On ne cueille pas tout au même endroit pour que ça reste beau. Du coup, il en faut beaucoup pour faire Il en faut beaucoup, beaucoup, oui. Il en faut beaucoup, beaucoup. Mais si vous voulez, surtout si on discute, des fois c'est l'occasion de faire une petite réunion. Mais à quatre mains, ça va très bien. On peut parler recettes. L'équipe connaît toutes les fleurs et vient cueillir les fleurs. Et alors là, ce que je vous convie à mettre votre nez. Et mettez vos deux mains. Ah, c'est mettez bon. Vos deux mains et mettez votre nez. Ah oui, effectivement. Joli bouquet. Bon. Hein, ça sent bon, hein. Allez, je remets tout alors. Ça. C'est vrai, elles sont odorantes. Là, vous avez une ciboulette plate, comme beaucoup de légumes viennent d'ailleurs. Celle-ci, on dit qu'elle vient d'Asie, mais elle est très, très parfumée et surtout très rustique. Ça va, Laurent? Bon, on va en avoir assez pour aujourd'hui, c'est bon, hein? Alors, est-ce qu'il est bien rempli, ce petit panier? Oh, regardez, oui, oh, oui magnifique, oui. On a déjà de jolis petits pots de toutes les couleurs. Voilà, il faut faire attention de ne pas les renverser. Voilà. Moi, je prendrais bien un peu de romarin pendant qu'on est là. Et alors, le pull est là parce que... Il faut toujours garder un petit pull. Hein. On ne sait jamais. Soleil chaud et air frais, comme dit ma belle-mère. Allez, on va aller chercher un petit peu de... Vous venez avec nous? Hein, on va chercher du... On va aller chercher le romarin. Il est bien en fleurs, j'ai vu ce matin. Vous aimez ça, les herbes? Oui, j'adore ça. Les herbes aromatiques, c'est un vrai bonheur. Alors, on cueille alors, du coup. Le romarin, on n'en cueille pas trop justement pour en laisser pour les abeilles. Nous, ça nous sert pour les tisanes et pour la décoration des assiettes. Voilà. Donc les abeilles en ont beaucoup sur le domaine, beaucoup là aussi dans le jardin. Donc vous voyez, on fait juste. Mais il est très odorant, je ne sais pas. Moi, je suis. D'abord, on dit que la cuisine, ça. Ben, le vin, oui, par le nez. En fait, si vous voulez, on est vigneron à la base. Donc on dit. Enfin, c'est pas la charte, mais. Un peu. Pas le slogan non plus. Mais enfin, au niveau de l'auberge, odeur, alors ou senteur, c'est plus joli, senteur, couleur, saveur. Et je crois que ça représente vraiment ce qu'on essaie de faire passer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ce soit agréable au nez. Vous voyez, j'ai encore l'odeur de la ciboulette. Donc, que ce soit agréable au nez, que ce soit agréable à la vue, hein, au niveau couleur. Donc, on peut mettre couleur d'abord, couleur, senteur, saveur. Et qu'en goût, on retrouve effectivement... C'est un joli plaisir. Mélange, en tout oui, cas. Voilà. Regardez, il est beau, ce bleu. C'est un bleu pâle, c'est un bleu Provence. C'est un bleu très doux. Il y a plusieurs variétés de romarin, il y a plusieurs variétés de bleu.
Retenez, je vous laisse. Vous êtes grand, fort et sympathique. Allez, c'est bon. Légumes d'hiver, donc on a très honte du jardin parce qu'il n'a pas été trop entretenu. Oh. Sont belles vos carottes hein, aujourd'hui. Mais vraiment, franchement, c'est les derniers là. En avril, ça commence à finir. On va bien les secouer parce que sinon, à nettoyer quand c'est humide comme ça, on s'enquiquine. Oui, on a de la chance d'avoir un cuisinier qui vient chercher ses légumes. C'est rare. Hein. D'habitude, c'est le jardinier, mais là, il sait aller choisir ses légumes et avec. Voilà, et en plus, vous aimez ça. On a de la chance à cette époque-ci qu'il nous en reste. Tout l'hiver, on a mangé panais carottes. On a raté le reste. Il y en a pas mal encore. Aussi, on avait des potirons. Oui, il en reste encore pas mal. Parce qu'après, il faut qu'on resème tout ça. Allez, c'est bon. Allez, hop, faut qu'on se dépêche. Allez, direction la cuisine. Allez, quelques calendulas, parce que c'est notre fleur fétiche en passant. Regardez si cet oranger beau, il est lumineux. En l'absence de soleil, il vous faut le soleil dans l'assiette. Au pied de calendula, c'est très bon pour la peau. Donc ça, c'est une fleur fétiche qui pousse bien et qui rappelle la terre orange des terroirs de l'abbaye et du vin. L'abbaye de Valmagne, c'est aussi un domaine viticole. Nous sommes en compagnie de Philippe Dallaine. Maintenant, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous allez nous parler du vin et de ces vins bien sûr. Que l'on trouve ici. C'est l'activité principale de l'abbaye, bien sûr. Quand même, la viticulture, hein, depuis 1838. Et puis avant, bien sûr, c'était un vignoble à l'époque des moines, puisque les moines cisterciens, quand ils s'installaient quelque part, ils avaient toujours de la vigne. Donc on a de vieux fûts de chêne. Alors, alors les fûts de chêne, c'est plutôt 1820. Hein. Mais le vignoble créé par les moines, c'est 12e siècle, qui devait déjà être relativement important. Et puis peut-être même antérieure, parce que les Romains, ils avaient une villa romaine dans le coin, là juste à côté, et on sait que les Romains, à l'époque, il y avait justement des vignobles. Étaient amateurs de vin. Donc c'est des vignobles très très anciens. Et donc la famille a développé bien sûr ses vignes jusqu'à nos jours. Vous voyez la gamme secrète Frère Noninck. Frère Noninck, c'était un moine qui venait de l'abbaye de Noninck. L'abbaye de Noninck, dans l'histoire, est amusante parce que ce pauvre Frère Noninck, c'était au moment des guerres de religion. Et quand les protestants sont arrivés à l'abbaye de Noninck, qui était dans l'Aveyron, il est parti, il s'est réfugié à l'abbaye de Sylvanès. Les protestants arrivent aussi et ils se réfugient à Valmagne et on l'a appelé Noninck parce qu'il venait. Voilà. Et il s'occupait principalement du cellier et donc des vins, des salaisons, de tout ça. D'accord. Voilà. Alors un vin de pays, après un vin d'appellation contrôlée du Languedoc. Voilà. Alors ça, c'est appellation Languedoc. Bernard et Benoît, parce que Saint-Bernard et Saint-Benoît. Donc c'est la production principale de l'abbaye. D'accord. Et puis après, on passe sur le terroir des Grès de Montpellier. D'accord. On est sur l'extrémité ouest des Grès de Montpellier. Et on a deux cuvées, donc la cuvée de Turenne et la cuvée Cardinal de Bonzy. Alors des cuvées biologiques, agriculture biologique. Tous sont bio, d'accord. Tous les vins sont culture biologique. Et puis maintenant, depuis 2012, les vins sont bio aussi. D'accord. Voilà. Et vous faites également de la bière. Alors ça, c'est une nouveauté d'il y a 3 ans. On a créé une recette, ça a été tout de suite un succès. Et donc, la bière de l'abbaye de Valmagne est une bière type bière belge, un petit peu, mais avec une adaptation Languedoc. Bien sûr. Et pour l'instant, ça marche très bien, on est content. Voilà. Voilà. Ben, on dégustera ça tout à l'heure, peut-être avec un bon plat, n'est-ce pas, oui, Philippe? Oui, ça s'impose. Merci beaucoup. Vous en prie.
Alors c'est un travail d'équipe en cuisine, c'est Laurent et Laurence qui s'y collent. Et là tout de suite c'est Laurent, vous allez commencer. Alors c'est vous faites ça. Quoi? Alors nous allons préparer une polenta betterave et herbe. Betterave râpée, donc un quart de litre d'eau, un petit peu de gros sel. Ainsi, nous verserons environ 125 g de polenta. En attendant, nous allons faire nos petits râpés de betterave. Pour ce faire, prenons de préférence betterave fraîche. Nous allons faire notre petit râpé qui va nous donner une jolie couleur. Nous avons fait donc notre petit râpé. On jette notre petit râpé dans la casserole. Et là, nous pouvons incorporer notre polenta délicatement. Nous allons baisser le feu au minimum. Notre polenta commence à cuire. Vous voyez déjà là, ça commence à prendre une belle couleur rouge. En fin de cuisson, nous rajoutons une pointe d'huile d'olive. Voilà, c'est un petit peu le secret, l'arme de la maison. Voilà. Donc là, pour terminer notre polenta, nous allons y incorporer quelques herbes. Nous allons faire un petit hachis de ciboulette plate et un petit peu de marjolaine. Donc là, nous incorporons nos herbes. Voilà. Nous allons la disposer sur une plaque à pâtisserie, recouverte d'un papier sulfurisé. Un peu d'huile d'olive sur notre papier pour éviter que notre polenta colle. Nous la décollons de notre casserole, puis nous allons l'abaisser sur notre papier sulfurisé. Là, nous y ajoutons un peu de thym frit, thym de garrigue de la maison. Voilà. Nous allons la recouper. Et là, on l'enfourne. Combien de temps alors? Environ un quart d'heure. À 180 degrés. Voilà. Et on la retrouvera dans l'assiette. Et on la retrouvera dans l'assiette, bien odorante, bien parfumée. Nous allons préparer une fougasse, donc à base de farine de sarrasin, huile d'olive. Encore une fois, nous allons retrouver l'huile d'olive dans la recette, de l'eau, de la levure de boulanger. Là, on a laissé poser une petite heure depuis ce matin et on va pouvoir l'étaler, la travailler. Notre pâte colle un petit peu, voilà. Donc avant de la baisser, sinon elle va nous coller à la pâte, voilà. Donc je rajoute un petit peu de farine. Et là, nous allons pouvoir la baisser. Voilà, donc on fait notre petite abaisse. Et on va leur donner une petite forme de chausson. Comme un petit chausson. On va faire des petits rouleaux, des petits chaussons. Voilà, une fois que notre abaisse sera faite. Donc nous allons couper des petits chaussons. Alors nous décollons la pâte. Et nous allons faire des petits chaussons. Nous rajoutons quelques morceaux de lard. Allez. Puis vous m'en laissez un peu des natures, on fera la tapenade. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai une belle tapenade là, qui va être superbe. La petite marjolaine là. Une petite marjolaine qui fait tout et qui va donner la petite saveur du jardin. C'est important hein, parce que les petits lardons, ils viennent de la ferme de la Boissière, mais ils ne viennent pas du jardin. Et c'est du bon cochon, du bon. Voilà. Allez, venez goûter ça avec le vin, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on est vignerons à la base. On va se régaler. Voilà. Là, nous allons cuire notre petite fougasse, et pendant environ 20 minutes, à 180 degrés. Voilà. Et après, on se régale, on retrouve tout ça dans notre assiette, voilà, bien parfumé.
Après la visite de l'abbaye, n'oubliez pas de faire une halte à l'auberge. Laurence Dallaine vous propose une cuisine originale et colorée. Ouvre vos sens, couleurs, senteurs, saveurs, tout se mêle pour une dégustation de haute volée. La présentation est soignée, les produits ultra frais, les papilles exultent. Voilà, voilà, la petite dégustation du jour. Oh, magnifique. C'est un petit peu bazar. C'est superbe, bravo. N'oubliez pas de réserver dans ce lieu prisé, car la qualité du service et des produits locaux attire une clientèle de fins connaisseurs. De bonheur gustatif que nous terminons ce territoire. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Bon week-end à tous et surtout, n'oubliez pas, visitez notre belle région. Ciao, bye.